Chers amis dans les connus, bonjour. Je suis très très content d'avoir gagné cette course épique et collégramme. Ça c'était la blague du jour. Donc chers amis dans les connus, je suis ravi de vous présenter ce livre qui s'appelle Course épique de Marie d'Orléans chez Sarbacane. Et maintenant, je vous propose de vous en faire une petite lecture. À bientôt. Course épique de Marie d'Orléans aux éditions Sarbacane. C'est aujourd'hui la grande course. Les spectateurs se pressent contre la barrière pour encourager leurs favoris. Sur la ligne de départ, les cavaliers se toisent, les chevaux piaffent d'impatience. Soudain, pan ! C'est parti ! Les concurrents s'élancent à vive allure dans un grondement sourd. Les chevaux s'emballent, les cavaliers s'agrippent, les spectateurs se passionnent pendant que les derniers concurrents tentent toujours de franchir la ligne de départ. Trop tard pour ces trois-là, ils sont disqualifiés. Les juges, saisissant leurs jumelles, font d'ailleurs d'étranges observations qu'ils notent sur leur papier. En effet, certains ne respectent pas tout à fait les règles. Malgré cela, le peloton accélère dans la dernière ligne droite quand, tout à coup... Ouïe ! Aïe ! Ouh ! Pif ! Paf ! Boum ! Quelle chute ! Tous les participants sont sans dessus-dessous. Mais oui, on dirait que l'un d'eux se relève et il semble déterminé à remporter la médaille. Et le voici qui galope rageusement, abandonnant derrière lui ses adversaires médusés. Épuisé, mais triomphant, il franchit la ligne d'arrivée. Les journalistes s'empressent d'accueillir le curieux duo devant une foule éberluée. Mais, à l'heure de la remise des prix, le cavalier, hélas, ne reçut pas exactement la récompense espérée.